Quand ensemble jazz du cégep de Saint-Laurent, sous la direction de Philippe Kaiser, s'est attribué comme un mandat original de favoriser une vision élargie de la musique jazz en vous proposant une série de pièces uniques et sans bornes conviant à reconnaître le génie incontestable de la tradition iconoclaste européenne et nord-américaine. Sa solidarité appartient à cette prévalence du critère performatif dans le savoir. Cette puissance pragmatique d'ensemble repose sur l'insertion de l'inconscience collective, l'éclosion d'un monde onirique, l'excentricité, l'imaginaire et l'exploration de nouveaux thèmes d'inspiration. Avidité insatiable à la découverte de nouvelles syntaxes musicales, au partage de ses acquis à l'expression par l'édification de nouvelles normes, voire l'essentiel de sa raison d'être. L'ensemble vous propose donc Fable of Phobos de Charles Mingus, arrangement de Cy Johnson, Thermopylae, Robert F. Grettinger, arrangement de Philippe Kaiser, et On the Stage in Cage de Carla Blaine. Sous la direction de Philippe Kaiser, le grand ensemble jazz du cégep de Saint-Laurent. Alors, en général, l'esprit et l'exécution, etc., ça fonctionne très bien, évidemment. C'est juste une question à quel point on veut analyser le corps et les parties selon les détails de nuances, les détails de coupures, pitch, blend, etc. Et ça, c'est à votre goût, mais moi, il me semble que je commencerai par faire un peu plus attention à trier l'excitement avec, avec le dynamisme dans les nuances. On peut jouer aussi excitant très doux, on peut jouer excitant très fort. Donc, si on établit que notre zone de confort est portée à double portée, on n'a pas bien de manœuvre, champ de manœuvre. Thank you.
Très bon rythmique. Qualité de son dans les forces qu'on blasse pas là, que ça va pas trop sharp. Donc si on est tout conscient de projeter les harmoniques dans la production de son plus centré, avec des positions plus relaxes, donc on trouve un point de moins résistance. Donc, on est capable d'ouvrir les harmoniques. C'est si on imagine les notes comme des bangs, mettons, dans le trou dans le bang, il faut aller chercher ce trou-là. Des fois, c'est juste une question de jouer avec des positions qui sont moins tendues. Et c'est les harmoniques qui vont se projeter. Si on développe un contrôle, que ça va nous sortir de notre zone de confort. Donc, on n'est pas obligé de jouer fort pour avoir un bon son. T'sais? Donc, ça, c'est très important, surtout pour être capable de jouer dans tous les styles musicaux, de travailler un range assez doux. Et aussi, si le point de relaxation est établi dans le centre de la note, ça va nous permettre de jouer encore plus fort s'il faut. Avec des bons, avec un bon son. Il n'y a pas de score là, j'ai aucune idée.
problèmes d'intonation ici. Le concept d'enchaîner les tonnes, c'est très bon. Très cool. Cette pièce, je trouve que je ne sais pas si. Peut-être c'est dans l'écriture aussi qu'on n'a pas le choix, mais de suivre toutes ces instructions parce que c'est clair, c'est bien plus clair point de vue écriture et c'est clair point de vue de spectrum de nuances qu'on peut jouer ici, comment elles sont effectives selon l'écriture. Donc, je trouve en général. Cette pièce, le plus fort des trois. On peut aller chercher peut-être un petit peu plus de nuance dans la section de rythme, que c'est pas trop fort tout le temps.
le pitch, l'intonation très importante. C'est pas nécessaire de jouer si fort que ça, mais pas loin, hein? Parce que c'est pas un son qui est plaisant à entendre. Tu es capable de jouer avec un meilleur son, moins fort, ça devrait être ton priorité. Thank you.
Moi, j'aime bien cette pièce-là de Carla Bley. C'est quelque chose. J'ai rien à dire concernant votre esprit. Comme d'habitude, l'esprit, l'exécution, tout est là. Point de vue de l'impact que vous donnez sur la scène, la présence, le public, etc. Avec cette musique. On voit bien l'ensemble est très passionné, puis ça c'est sûr. Il manque à rien de cet aspect-là. Moi-même, je voudrais un petit peu plus de fine-tuning vis-à-vis les nuances, vis-à-vis l'intonation surtout, le blend dans les sections, les coupures de notes, les longueurs de phrases, plus dans le phrasing et tout. Malgré le style de musique qu'on fait, ces éléments-là sont très importants. Surtout pour le développement complet pour un musicien. Donc c'est sûr que je peux discuter de mesure à mesure, là. Ça, Philippe, je suis sûr et certain que tu es conscient de ce que j'essaie de dire. C'est juste qu'à quel point on a le temps de mettre l'attention sur ces éléments-là, ou si c'est fait accompli avec la façon que vous les jouez, par respect, tout respect. Donc, j'irai à ce point-là de peut-être juste prendre de faire un petit atelier pour travailler quelques mesures dans chaque pièce pour discuter qu'est-ce qu'on fait là avec ça quand on joue plus, est-ce qu'on peut faire moins de crescendo peut-être, ou c'est quoi notre niveau piano, c'est quoi notre niveau mezzo piano, mezzo forte, forte, etc. De voir si on peut créer encore plus d'impact par les nuances et par la précision dans les attaques et dans les coupures de phrases et surtout dans le blend, intonation, etc. Donc il y a toutes ces séries d'éléments à travailler si on a le temps à mettre dans ça. Donc, bravo encore une fois. C'est bien le fun de vous entendre, comme d'habitude. Et lâche pas. Bye-bye. Merci.